Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble Clay Book, un jeu où on va contrôler une sorte de pâte à modeler, voilà, qui va pouvoir se déformer à l'infini. Alors en fait, c'est un monde uniquement construit en pâte à modeler et c'est ça qui m'a attiré. Je me suis dit, bordel, ça c'est bon ça. Oh putain, de la pâte à modeler, j'adore ça, j'aime quand ça se déforme. Il faut absolument que je le teste sur la chaîne YouTube. Il y a en tout 2 livres et pas mal de chapitres. Donc on fera pas tout, mais on va déjà découvrir les premiers chapitres afin de voir un peu ce que donne le jeu. Let's go pour le tutoriel afin d'apprendre les mécaniques et voir un peu ce que ça donne. Donc quand je vous dis que le monde est tout en pâte à modeler, le monde est réellement tout en pâte à modeler. Vous allez me dire, ça fait un peu de gamin de jouer à ce genre de jeu, mais c'est jouissif. Regardez ça. Regardez, je déforme le monde à ma guise. Et le tutoriel... ça m'a fait peur en fait, vous avez vu ce qu'il y a là-bas? Il y a un gosse. Mon dieu, et eh bah ben, écoutez, le gosse a quand même une imagination débordante pour créer tout ça en pâte à modeler, hein. Bravo à toi. Alors on peut changer de forme apparemment. On va passer en rond, voilà, pour passer dans le tuyau. Ah merde, allez vas-y passe dedans. Vas-y, vas-y. J'ai l'impression de contrôler une boule de mammouth. Vous savez le truc dégueulasse qu'on mangeait tous là quand on était jeunes. Et on s'abîmait la langue. C'était pas la folie. Qu'est-ce que je peux faire là du coup? Hold to stamp and rewind. Ah, on peut revenir en arrière. Attendez. Ah oui, d'accord, en fait. Alors, attendez. Je veux revenir en arrière de ce côté-là. C'est quand on fait une erreur. Ah, c'est bon, ça suffit. Ensuite, continuer. Comment on va pouvoir passer au-dessus, là? Est-ce qu'on peut pas sauter? Ah, mais regardez, notre boule est toujours là, en fait. Je peux pas rebondir dessus. Oh, incroyable. Formidable. Alors, appuie sur X pour contrôler les formes aux alentours. Waouh. Ah mais oui, mais lui il a carrément une manette de contrôle. Ok. Tu fais un peu flipper. J'ai l'impression d'être dans Toy Story là. C'est horrible. Ça me fait flipper moi ce genre de truc. Voilà. Oh attention. Donc en fait c'est un jeu de plateforme. Mais qui vraiment est cool parce que le fait de pouvoir changer le monde. J'ai trouvé ça intéressant comme jeu. Alors on peut passer... attendez, on peut passer à travers les obstacles en fait. On peut faire fondre. Oh excellent. Il y a même du liquide. Oh, la physique du jeu est vachement bien foutue en tout cas. Hein. J'aime beaucoup. Il y a de l'eau pâte à modeler. Appelez ça de l'eau, tout court. Allez, attendez. Ah! Je suis dans l'eau. Il faut... ah, ok, d'accord. J'ai l'impression qu'il faut tout vider. Donc, on va essayer de faire vider ce pot. Vas-y, là, défonce tout, là. Inonde ce monde! Libérez les eaux! Excellent. Très bien, bah écoutez, tutoriel terminé. Très sympa comme jeu, j'aime beaucoup. Après voilà, c'est un jeu de plateforme, il faut aimer. Alors là on a 3 levels de débloqués, bah on va faire le deuxième, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Allons-y. Nouvel objectif. J'ai pas compris. Stamp to complete objectif. Je dois prendre la position. Ah oui d'accord, je vais devoir prendre ça pour monter, c'est ça? Ok, le cylindre est parfait pour montrer les, pour monter les escaliers. Waouh, 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 ah ouais pas mal, j'avoue pas mal. Donc là ils me disent que je peux revenir en arrière. C'est ça qu'ils viennent me dire. Bah, je m'en fous, je suis pas obligé de revenir en arrière là. On est d'accord. Ah mais attendez, là il y a une autre boule ici. Très bien, il faut peut-être l'utiliser du coup. On va essayer d'aller là-bas. Ah j'ai compris, je viens de comprendre. En fait il faut à chaque fois changer en fait de pâte à modeler. Là par exemple je vais aller ici. Ah je vais switcher. Et je vais aller là. Et là je vais prendre la forme. Peut-être se mettre dessus. Je sais pas si c'est ça. Hein. Et là, je valide. Ah, d'accord, ok. Donc là, je reviens en arrière, du coup. Ah, je viens de comprendre le but du jeu, c'est formidable. Bon, vous allez me dire, oui, c'était écrit en haut à gauche. Vous savez, moi, l'anglais et moi... ah, non, 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 non. Je viens de tomber. Heureusement que je peux revenir en arrière. Ça, c'est beaucoup trop fort, par contre. Hein. Un peu plus en arrière. Allez, allez, à gauche, maintenant. Très bien. Ça va, j'ai compris, maintenant, le but du jeu... ça va le faire. Donc là, j'appuie sur A. Voilà, 94% de réussite. Bon, c'est déjà pas mal. Plus ce qui est bien, c'est qu'on récupère la forme initiale. C'est-à-dire que là, je récupère le carré en entier. Et ça, c'est cool. Voilà. On va essayer de bien le positionner. C'est pas mal. Pas mal du tout. Hop. On va revenir là. Ah, maintenant, j'ai compris le but du jeu. J'ai compris comment le jeu fonctionne. Y a pas de souci. Bon, là, par contre, on va devoir monter un peu plus haut. Allez, allez, vas-y. Voilà, 91%. C'est bien. Donc, il reste encore une forme à couvrir. Elle est là-bas. On va aller la chercher. Eh ben, écoutez.
C'est réussi là, non? Ou il reste encore une forme? 100%, 100%. Ah, il faut terminer en étant en haut. Et c'est terminé pour ce deuxième level. 95%, c'est pas dégueulasse. On s'est bien débrouillé. C'est vraiment bien débrouillé. Allez, c'est parti pour le troisième level. On va les enchaîner hein, dans cet épisode. Hein. Oh. Ok, nouvel objectif. Ah d'accord, ok, il faut détruire le truc pour ramener le fluide à gauche. Ah ça c'est pas mal. Là on a quelque chose de bien. Je vais d'abord faire tous les chemins avant de détruire la cuve. Voilà. Là on est bien. Voilà, ça c'est fait. Peut-être un peu plus ici. Très bien. Et là pour terminer... Voilà, je pense qu'on va essayer de devoir les, on va devoir les remplir à peu près égal. Voilà que ce soit rempli à peu près avec le même pourcentage. Allez, c'est parti, maintenant on peut casser. Que ça coule partout. Faut faire vite maintenant. On va faire pareil ici. Allez, chauffe. Chauffe Marcel. Vite avant qu'il n'y a plus d'eau. Parce que ça va vite, hein. Allez, 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 allez. Allez, allez, et voilà, c'est formidable. Et là, ça devrait le faire. Hein. Ça devrait couler tranquillement dans les silos. Alors, faut juste avoir 100% en fait. Ah, par contre, j'espère que j'ai encore assez de liquide là pour remplir tout ça à 100%. Ce sera bon, je pense. Ah, c'est ça que j'aurais dû calculer aussi. J'aurais dû faire attention à ça. Ouais, si, ça va le faire, regardez. Ça remplit tout doucement. Ça va le faire. C'est très long, mais je vous assure que ça va être bon. Il y a pas de souci à se faire. Je peux peut-être faire un peu fondre un peu de ce côté-là, là. Et ben voilà. Comment ça, moins 11%. C'est bon, on a terminé. Eh, chapitre complet 100%. Si ça, c'est pas formidable. Allez, on continue, on y va. Allez, on y va du coup pour le quatrième level. Celui-là. C'est bien parce que les levels sont toujours différents. C'est jamais la même chose hein. Là on devait ramener du liquide à un endroit. Waouh. Waouh. Oh mon dieu, je commence ici. Qu'est-ce que je dois faire? Partons d'ici. Alors. Putain, je tombe dans l'eau directement. Dans tout ce bordel. Comment je peux sortir de là? Ah, et juste revenir en arrière en fait. Et tomber surtout au bon endroit. Je vois pas trop ce qu'il faut faire là, mais sortons d'ici et on va pas tomber dans l'eau. Bah ici de ce côté là on va pouvoir sortir. Il faut manger tous les objets chocolat. Très bien, j'avais juste à lire en fait. De quelle façon on les mange? On va les enfondre je suppose. C'est bon? Ah c'est bon. Oh c'est trop bien. J'aime bien l'univers qu'ils ont créé, c'est vachement cool. Alors c'est vrai que je l'ai pas dit, mais ce jeu il est disponible aussi sur, sur console, c'est-à-dire qu'il est pas disponible... C'est un jeu console de base, donc il est disponible, si je me trompe pas, sur Xbox. Donc ça peut être sympa de le tester si vous avez une console, et si le jeu vous intéresse. Ah, on peut prendre possession des gros objets. Ah bah c'est ce que je vais faire, parce que là ça va m'aider. Hein. Parce que là, à vrai dire, avec la petite boule, c'est pas forcément incroyable. Voilà, avec ça c'est mieux. Faire tomber le... Tomber le lapin en chocolat. Ah non, on va peut-être monter au pire de ce côté-là. Allez, vas-y. Fond ! Fond ! Ah merde, je l'ai pas eu complètement. Faudrait que je remonte, là. Oh, c'est mal fait, ça devrait tomber. C'est mal fait, ça devrait tomber. Bon, tant pis, j'ai pas tout eu. Sinon, ils nous disent pas de détruire complètement l'objet. Hein. Il faut juste avoir 100%. Là, il y a un gros chocolat, là. Un gros chocolat. Un gros chocolat. J'ai vraiment l'impression de contrôler une boule de mammouth ou une couille de mammouth. Vous appelez ça comme vous voulez. Hop. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on va réussir à avoir 100%? On a loupé un peu de chocolat au niveau des, au niveau du lapin. Mais bon, je pense pas que ce soit ça qui nous empêche de tout avoir. On va prendre cette forme. Oh, y a un lapin au chocolat en haut. Oh là là, je sens que je vais tomber. Putain, j'ai... Ah, j'ai du mal à contrôler le cul. Oh, n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai foutu. Ah, merde, ça va plus jamais se reconstruire. Ah, mince, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Il y a beaucoup trop de formes dans ce jeu.
Là c'est pareil, je pense pas que ce soit la forme bien adaptée. Oh quoique. Quoique, regardez. En soi, c'est pas dégueulasse. Ça va. Par contre, on est qu'à 36%. Ça va être compliqué, hein. Oh là 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 là, c'est dur à contrôler cette merde. On va reprendre le... Non, même la boule était mieux, hein, on va dire. Je peux pas la voir là. Ah, je la veux. Hop. Non, la boule est beaucoup mieux. On va la garder. Tiens. Là, il y a du chocolat. Il a ramassé énormément, hein, celui-là. Hein. On est à 50%. On n'arrivera jamais. On est qu'à 50%. C'est pas énorme en soi. Hein. Faudrait que je monte dessus. Ah, mais on n'est pas obligé de le faire fondre, en fait. Depuis tout à l'heure, je le fais fondre. On n'était pas obligé. Moi, je pensais qu'il fallait faire fondre le chocolat. Mais non, il faut juste le manger, c'est-à-dire aller dessus. Allez! Mais non, mais vas-y, là. Qu'est-ce que tu fais? J'en peux plus. C'est bon, je vais rager sur... sur Claybook. C'est le jeu où je devrais pas rager, mais je vais rager dessus. Alors du coup, on peut terminer le level apparemment. Il faut juste avoir 50% pour réussir le chapitre. Bon, je pense que dans celui-là, on n'aura pas 100%. Hein. Je vois pas vraiment comment faire pour avoir 100%. C'est un peu compliqué. Mais mange le chocolat, mange-le. Ah, mais c'est peut-être parce que je le brûlais à chaque fois que je récupérais pas tout. C'est peut-être ça le problème. Bon, on n'a pas eu à 100%, c'est pas grave, on va terminer le level. Je vais devoir reprendre la petite boule qui était... qu'on avait laissée où? On l'a laissée vers là. Tiens, là, 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 elle est là. Non? Ah non, c'est de l'eau. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tenter de rentrer quand même. En faisant tout fondre. Vas-y, vas-y, go, 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 vas-y, vas-y. Rentre dedans. Rentre dans ce château. Si on fait tout fondre, on va pouvoir passer. Je vous le dis. Bah voilà. Très bien, bon là c'était un chapitre pas très bien réussi, 60% c'est pas incroyable. Ce que je vous propose c'est de refaire encore un level peut-être et on va s'arrêter là sur cette vidéo. Sauf si vous voulez qu'on termine le livre, tout le livre. Ça va être un peu plus de temps hein, quand même. J'ai pas non plus envie que la vidéo dure trop longtemps, c'est un jeu vraiment détente. On va pas non plus faire 40 minutes de vidéo. C'est pas non plus mon objectif. Déplacer le cylindre à l'objectif. On doit le déplacer là-bas. Est-ce que je peux directement aller dans l'eau? Normalement il est assez efficace pour monter les escaliers, on nous avait dit. Allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, excellent. Et ensuite on doit déplacer le carré, on doit l'amener où? On doit l'amener là-bas. Attendez, on va devoir passer là. Oh putain. Oh là 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 là. Ça commence à être compliqué. Heureusement que c'est de la pâte à modeler, du coup ça s'accroche assez bien. Ok. Oh non, j'étais un peu trop rapide, on va revenir en arrière. On ralentit, on ralentit. Voilà, on a tout notre temps. Voilà. Oh non, 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 ça passe. Formidable. Et ben là, on a déjà les 100%. Eh ben on a réussi, c'était super rapide ce level là. Alors, finalement, c'est beaucoup trop simple. En une minute et quelques, on l'a terminé. Bah écoutez, du coup, on va pouvoir encore faire d'autres levels. Bon, du coup, c'est parti pour ce nouveau level. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Compléter tous les objectifs. Ah et donc là on a plusieurs objectifs à compléter. Alors il y a des icônes différentes. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Alors attendez, on va prendre ça, on va monter. On va monter. On va monter. Oh là là, on a plein de formes. Oh, je sens que je vais galérer ce level là. Ok, là je peux prendre ça et je peux le descendre. Ça il faut le placer là. Je pense que là il y a rien de plus simple. Très bien. Si je reviens en arrière. Formidable. Ok, ça c'est fait, 100% de réussite. Qu'est-ce que c'est les trucs gris? Je comprends pas, c'est la même chose? Il faut les remplir ou... Ah non, il faut qu'il y ait la bonne forme en fait, je pense. Sur les trucs gris. Non? Attendez, si je fais ça et que je change. Ouais, très bien. Ouais, il faut qu'il y ait directement la forme. Alors on a un canard quand même en plastique à mettre ici, ça va pas être facile. Ah non, c'est pas un canard en plastique, faut peut-être mettre de l'eau. J'ai vu qu'il y avait de l'eau là-bas. Attendez, on va essayer de faire un petit parcours de ce côté-là. Pourquoi il n'y a plus de musique? Pourquoi il n'y a plus de musique? J'ai peur. Ah oui. Ok, regardez. On va juste faire fondre tout ça. C'est parti pour faire passer l'eau. Non, en fait, c'est pas compliqué. Il faut juste comprendre les objectifs. Et voir un peu comment ça marche. Voilà. C'est bon? On peut prendre possession du canard. Excellent.
Ah, mais le canard, fallait le mettre là-bas. Attendez, attendez, j'avais l'icône du canard. Le canard, fallait le mettre. On va le monter ici. Vas-y, monte, monte, monte. Très bien. Pourquoi il y a plus... C'est très stressant, il y a vraiment plus de musique. Voilà, c'est ce que je voulais. Non, ne bouge pas, s'il te plaît. Très bien. Voilà, le canard, il est mis. Là-bas, on a besoin de mettre de l'eau. Je vais y aller avec le canard, tiens. Ah non, il y a une forme ici, une petite boule. Oh, sympathique. Sympathique du... Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette boule? Bah, je vais suivre le chemin. Ah, ça sert forcément à quelque chose, cette boule. Ok. Je sais pas ce que je dois faire avec. Ah, très bien. Je crois que j'ai compris. Non, 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 c'est pas là que je voulais aller. C'est pas là que je voulais aller! Ah! Mon Dieu! Va falloir faire un trou, certainement. C'est bon, là, ça coule. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Allez, un peu plus loin encore. C'est bon, là. Ça va. Ça... Ouais, c'est bon, là. Voilà, regardez. Pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Je pense que ça suffira. Ouais, c'est bon, là. Ça va le faire. Très bien. Bon, du coup, avec cette boule, je sais pas trop quoi faire. On est qu'à 38%. Cette boule-là, par contre, je vais la placer ici. On est d'accord. Hein. Là, il n'y a pas d'erreur. Ça a l'air d'être là. Elle fait exactement la même taille. Voilà. 48%. Donc, il nous reste quoi, là, exactement? Là-bas, il y a le canard que j'ai déjà posé. Ah non, le canard, il s'est déplacé. C'est pas normal, attendez. Le canard est mal placé. Non? Ah merde! On peut pas le récupérer. Comment ça se fait que le canard, il est... Ah non, il est là, le canard. Bah oui, il est là, forcément. Là, on est un peu dans la merde. C'est bon, j'ai le canard. En fait, il s'est déplacé et du coup... Il a pas bien posé. Wouhou! Non, pas trop loin, pas trop loin. Là, c'est bon. Voilà. Très bien, bon écoutez les potes, on n'aura pas le 100%, je pense qu'on va s'arrêter là, je sais pas ce qui manque à vrai dire là. Là on a un objectif ici, on en a un autre là-bas, il a pas été validé? L'objectif ici? Je sais pas pourquoi, pourtant c'est la bonne boule. On va terminer ici, pour cet épisode et cette vidéo du coup de Claybook. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, très sympa le jeu. Je pense que vraiment pour des enfants, ce jeu il est juste parfait parce que... Je vais pas dire il développe ton imagination, mais c'est très coloré, c'est un jeu de plateforme bien sympathique. Il y a de la pâte à modeler, donc forcément, ça plaît énormément. Et le monde, il est vraiment déformable. Après, les objectifs sont quand même compliqués en soi. Hein. Faut quand même réfléchir un minimum. Donc ça se... C'est pour aussi un public adulte, du coup. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cet épisode sur Claybook. J'espère que ce jeu vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires, comme d'habitude. Et écoutez, on refera peut-être une vidéo dessus, parce qu'on a encore quelques levels, excusez-moi, à découvrir. Et on a un livre supplémentaire qui est ici avec 3 chapitres. Il y a moyen qu'on fasse une autre vidéo dessus, je pense. Bah écoutez, merci à tous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut!